Bonjour à tous, une nouvelle histoire. L'histoire que je vais vous raconter est l'histoire de Yaakov. Elle se déroule au début du siècle et dans un petit village de Russie, un petit bébé vient à naître dans une famille, au bonheur de ses parents. Et le jeune Yaakov, tel qu'on va l'appeler, grandit et tout de suite les parents remarquent que cet enfant a des facultés extraordinaires. Il apprend très vite à lire et à écrire. Il rentre à l'école et il dépasse ses camarades. Les parents, heureux de voir un enfant qui si intelligent, le lance dans les études et très vite, il grandit. Dès qu'il arrive à l'adolescence, déjà il n'a plus de professeur puisqu'il apprend tellement vite que à la yeshiva, ses maîtres lui prédisent un avenir brillant dans l'étude de la Torah et de devenir un des grands maîtres de la Torah. Et donc Yaakov se retrouve finalement dans son génie seul avec ses livres. Il n'a plus besoin de maître. Il s'est placé dans la synagogue du village avec tous ses livres autour et toute la journée, il s'assoit et il étudie la Torah. Dans ce village, il y avait aussi des chassidim. Yaakov n'était pas un chassid, mais il y avait des chassidim qui vivaient dans ce village et fréquemment, comme la coutume des chassidim, c'était de s'asseoir à la synagogue et de faire ce qu'on appelle une hitva adout, c'est-à-dire une réunion chassidique où chacun renforce l'autre par des bonnes paroles, par des bons proverbes, par des histoires chassidiques. Et donc, ce jour-là, les chassidim se sont réunis dans la synagogue. Yaakov était dans son coin avec ses livres en train d'étudier. Et les chassidim s'assoient, commencent à dire les chaïm, boivent de la vodka et chantent ensemble et se racontent des bonnes paroles. Et la discussion tourne autour du voyage, du futur voyage pour les fêtes de Tishré, pour Rosh Hashanah, le nouvel an, du voyage chez le rabbi de Lubavitch de l'époque, qui s'appelait Rabbi Shalom Dovber, le cinquième rabbi de la dynastie de Lubavitch. Et donc les chassidim se disent, on se prépare, on va aller chez le rabbi bientôt. Et là, les chassidim se tournent vers Yaakov et lui disent, hey Yaakov, tu veux fermer un peu tes livres et venir t'asseoir avec nous? On a des choses à te dire très importantes. Yaakov leur dit, comment ça, l'étude? J'étudie. Viens, quelques minutes, ne t'inquiète pas. Et Yaakov se lève, vient s'asseoir avec les chassidim. Et les chassidim lui disent, Yaakov, tu dois voyager chez le rabbi. Tu dois venir avec nous, il y a bientôt une calèche qui va passer avec des chassidim. Et de village en village, les chassidim se greffent avec cette ligne de voiture, de calèche qui partent vers le rabbi. Il faut absolument que tu montes avec nous et que tu partes passer les fêtes avec nous chez le rabbi, tu vas recevoir des grandes bénédictions. Et Yaakov rechigne, il dit, écoutez, il y a l'étude de la Torah, comment je vais faire, ça va être, je vais perdre du temps de l'étude. Mais Yaakov lui disait, chassidim, viens, tu seras gagnant, tu verras, de rencontrer un vrai rabbi, un tzaddik, tu ne sais pas l'effet que ça peut faire à ta neshama, à ton âme. Et comme les chassidim sont obstinés, ils arrivent à persuader Yaakov d'accepter de faire le voyage avec eux. Et donc le jour J arrive, les calèches des chassidim rentrent dans le village et tout le monde monte avec eux, ainsi que Yaakov, et le voyage commence. Un voyage qui va arriver jusqu'à la ville de Lubavitch quelques jours après. Et le séjour se passe merveilleusement bien. Yaakov est enchanté de voir le rabbi dans une réunion chassidique, d'entendre de la chassidou, des paroles, des secrets de la Torah tels que seul un rabbi est capable de les dévoiler. Et donc, tout se passe très bien et arrive la fin du voyage, comme à la coutume des chassidim. Alors, avant de repartir chacun chez soi, les chassidim ont le droit d'avoir une entrevue privée avec le rabbi en personne. Et donc, il raconte à Yaakov, tu dois te préparer, si tu as des choses à demander, écris un mot sur une feuille et lis des Tehillim, mets la Tzedaka, prépare-toi, car tu vas rentrer en entrevue avec le rabbi. Et donc Yaakov se prépare. Il écrit son petit mot sur une feuille et quand le moment arrive, Yaakov entre chez le rabbi. Et là, il se trouve dans la pièce. Et le rabbi en face, assis à son bureau, le rabbi fait signe de ne pas le voir, comme si personne n'était rentré dans la pièce. Et Yaakov, un peu étonné,
Et là, avec son papier à la main, il attend. Et le rabbi est tout entier affairé avec ses pensées. Il est comme ça, sur son bureau, il est... Et à un moment donné, il dit... Hon, je traduis, c'est du russe. Hon veut dire, en français, c'est lui. Le rabbi ne regarde pas Yaakov une seule fois. Hon. Et puis il se dit à lui-même, Niehon, ça n'est pas lui. Ensuite, le rabbi se lève. Il ne regarde pas Yaakov. Yaakov n'existe pas pour lui pour l'instant dans la pièce. Et il se dit à lui-même, Hon. Niehon. Et le rabbi part d'un côté à l'autre de la pièce, Hon. Niehon. On, c'est lui, ça n'est pas lui. Et Yaakov regarde le rabbi aller, faire des allers-retours. Et à un moment donné, le rabbi s'arrête au milieu de la pièce et dit On, très fort, comme ça, c'est lui. Et là, il surenchère encore plus fort Niehon, ça n'est pas lui. Et il se rassoit et il retourne à ses occupations. Et Yaakov ne comprend rien. Alors il part à reculons, il sort de la pièce. Et là, tous les chassidim se mettent autour de lui. Yaakov, alors, comment s'est passée ton entrevue avec le rabbi ? Oh, ne m'en parlez pas, je ne comprends rien. Mais le rabbi partait d'un côté à l'autre, il ne m'a même pas regardé, il ne m'a même pas adressé la parole, il n'a fait que dire « On, Nihon, On, Nihon, c'est lui, ce n'est pas lui. Voilà ce que j'ai entendu chez le rabbi, je ne comprends rien. » Et là, les chassidim ne comprennent pas non plus, mais lui disent « Écoute, Yaakov, sache que tu es passé devant un rabbi, ça n'est pas pour rien. Et peut-être qu'à un moment donné, tu comprendras pourquoi le rabbi a parlé comme ça, ou a agi de cette manière-là. » Et donc le voyage du retour se fait. Et Yaakov retourne dans son village, et il reprend ses habitudes, il retourne à la synagogue avec ses livres, et il étudie la Torah toute la journée. Un matin, qu'il était à la synagogue, tout seul, il décide de faire une petite pause et il sort devant la synagogue, il s'assoit sur les escaliers de la synagogue, dehors il y a un bon soleil. Il est assis comme ça et il jette un œil par terre, il voit un petit bout de papier, un bout de journal. Il le ramasse comme ça et puis il voit sur ce morceau de journal, il y a marqué « Grand concours de l'université de Moscou, de Pétersbourg à l'époque, qui est Moscou ». Un grand prix de 100 roubles sera remis à tout celui qui réussira à solutionner, à trouver le problème de cette solution mathématique. Et là, il voit un problème mathématique inscrit sur le papier au nom de l'Université de Moscou. Et donc, curieusement, ça pique sa curiosité. Il regarde le problème mathématiques, il réfléchit un petit peu, il rentre dans la synagogue, il ouvre ses livres, il ouvre des Guémarot, du Talmud, toutes sortes de livres, et il regarde à droite à gauche, et puis il prend le papier, il commence à marquer ce qu'il pense être la solution, et il se dit, mais pourquoi pas ? Et il poste la lettre avec la solution du problème à l'université de Moscou, il envoie la lettre, et je dis, peut-on savoir ce qui va se passer ? Ça m'a amusé de... peut-être avoir réussi à trouver ce problème mathématique. Les semaines passent et Yaakov reçoit une lettre par la poste. Il ouvre la lettre. C'est le grand recteur de l'université qui lui dit « Vous avez gagné le grand prix, vous avez remporté la solution, trouver le problème du problème mathématique que nous avons posé. Vous êtes invité à venir recevoir votre prix en personne. » À l'université à Pétersbourg. Voici les tickets de train. Et là, Yaakov est un peu touché, flatté dans son orgueil. Mais quoi, je vais aller jusqu'à Pétersbourg, dans une université, un recteur goy, pourquoi je vais perdre du temps à ça ? Et puis il réfléchit, son orgueil est tellement flatté qu'il se dit, mais pourquoi pas, j'ai quand même trouvé la solution. 100 roubles, c'est quand même de l'argent. Et puis, ça me ferait plaisir. Et il décide de faire le voyage. Il arrive dans la grande ville de Pétersbourg.
Il se rend dans l'université, il est arrivé, il est entré auprès du recteur, et là, le recteur le regarde, lui dit « Oui, vous êtes ?» Il dit « Ben, je suis Yaakov, vous m'avez envoyé une lettre, j'ai remporté le prix de ces problèmes mathématiques. » Et là, le recteur regarde un Yaakov, un juif avec une redingote, une barbe, des péotes, un chapeau. Il se dit « Mais vous avez un lien quelconque avec les études mathématiques ?» Alors Yaakov répond « Non, aucun. » Alors le recteur lui dit « Mais comment vous avez trouvé le problème ?» Yaakov lui dit « Ben, écoutez, j'étudie la Torah, je suis assez calé dans tout ce qui est Talmud, et puis j'ai réussi à faire des liens entre la question que vous aviez avec d'autres problèmes que j'avais lus dans le Talmud, et puis j'ai réussi à faire une connexion, j'ai trouvé la logique du problème, et voilà, je vous ai écrit la solution. » Et le recteur est impressionné, il dit « Mais vous avez un esprit brillant, c'est incroyable !» Sans aucune base, vous avez trouvé. Écoutez, voici vos 100 roubles, mes félicitations. Sachez que si vous accepteriez de venir étudier avec nous, chez nous, à l'université, je vous promets, avec l'esprit que vous avez, un avenir radieux dans le monde des mathématiques et de la physique. Si vous acceptez, vous avez une place chez nous. Réfléchissez-y. Et là, Yaakov prend son prix et retourne chez lui. Et tout le chemin, Yaakov réfléchit. Il dit « Mais c'est pas de l'étude de la Torah, mais je dois étudier la Torah, je suis juif. Pourquoi est-ce que j'accepterais ?» Et puis, vous savez, voilà, le va-et-vient dans sa tête. « Tu vas y aller, t'accepteras ou pas ? Est-ce que... » Et puis, il arrive chez lui et en réfléchissant, il se dit « Mais pourquoi pas, finalement ? Si j'ai des capacités, pourquoi ne pas les utiliser ? Je resterai un bon juif, qu'est-ce que ça veut dire ? » Il en parle à ses parents. Ses parents sont catégoriques. « Yaakov, tu n'iras pas là-bas. C'est un endroit qui n'est pas pour les juifs, qui n'est pas conçu pour les juifs. Tu n'as rien à y faire, tu ne pourras pas vivre ton judaïsme comme il le faut et pratiquer tes mitzvot. » Et Yaakov se dispute avec ses parents, lui dit « Si j'y arriverai, vous me prenez pour qui je suis capable, ne vous inquiétez pas. » Et il se dispute, et tant bien que mal, finalement il prend la décision d'y aller, contre ses parents. Et il fait le chemin, il arrive, il est reçu par le recteur est enchanté de savoir qu'Yaakov va avoir sa place à l'université, va pouvoir enseigner, étudier la physique. Il l'amène, il le pose, il l'installe, et Yaakov commence à étudier. Alors au début, vraiment, vous savez, il n'y a pas de juifs à l'université, à l'époque à Peterbrook. Il a reçu une autorisation spéciale. Mais vous imaginez bien, Yaakov, vêtu comme il était, assis dans un amphithéâtre devant un professeur et des centaines d'étudiants. Et tout le monde le regarde comme ça, ils ne savent pas d'où il sort. Et Yaakov est gêné, il apprend en même temps qu'il apprend, il s'aperçoit qu'il assimile très très vite les cours des professeurs. Et puis il monte dans l'étude profane, l'étude de la physique. Eh bien, gêné par son vestimentaire, gêné par ses pratiques, doucement, il fait quelques compromis. Au début, il enlève son chapeau, et puis par respect, il enlève au moment des cours, il enlève sa kippa, puis au début, il mange que des fruits à la cantine, et puis doucement, il y a des fêtes, il est invité, mais il veut pas y aller, puis après, il accepte d'y aller, puis... En fait, plus il grandit dans l'étude de la physique, et plus son judaïsme s'amoindrit, plus il lâche. Et il lâche. Et en quelques mois, Yaakov avait atteint un niveau incroyable dans l'étude profane de la physique, mais il avait perdu un niveau incroyable dans sa pratique des mitzvot. Yaakov n'avait plus de signe distinctif de juif religieux. Il avait abandonné la Torah au profit de sa réussite dans ses études profanes. Au bout de 6 mois, comme je vous l'ai dit, Yaakov est imbattable. Le recteur de l'université le convoque, lui dit « Yaakov, tu n'as plus rien à apprendre de tes professeurs, tu es toi-même maintenant, et tu es arrivé au niveau de pouvoir être toi-même un professeur. Mais tu le sais, il y a une loi, et la loi est stricte. Il ne peut pas y avoir de professeur juif à l'université. Pour pouvoir entrer
et obtenir ton doctorat, être un docteur, et pouvoir enseigner toi-même la physique. Tu dois faire une concession, Yakov. Tu dois te résoudre à te convertir au christianisme. Mais puisque je vois que tu as bien changé depuis 6 mois et que tu as l'air de bien t'adapter ici, je pense que ce serait peut-être pour toi qu'une formalité, maintenant que tu fais partie des nôtres. Et là, il lui dit, je te laisse la nuit pour réfléchir, viens me voir demain matin. Et Yaakov passe la nuit, éveillé dans sa chambre, dans un dilemme terrible. Il se dit, mais comment? Mais quoi? Mais j'ai dit, mais le Yetzer Hara, le mauvais penchant, lui dit, écoute Yaakov, regarde, tu as déjà tout perdu, tu as tout lâché déjà, tu réussis dans un domaine, que peu t'importe, ça va t'amener la gloire, la célébrité. Qu'est-ce que ça va te changer maintenant? Regarde comme tu es, si ce n'est que ça, fais le pas de plus et tu accèdes à la gloire. Et sa décision est prise le lendemain matin, il dit au recteur de l'université, j'accepte. Tout de suite, le recteur convoque sur le champ le prêtre qui vient et qui fait ses prières et qui lui le convertit sur place au christianisme. Et là, de fil en aiguille, le recteur lui dit, bien, voilà, maintenant tu fais partie réellement des nôtres, alors je te propose encore mieux que cela, tu es un homme brillant, j'aimerais, mon désir ce serait que tu te maries avec ma fille, je sais que tu aimes bien ma fille, elle aussi t'aime bien. Et là, Yaakov enchaîne avec un mariage. Et il se marie avec la fille du recteur. Il devient lui-même professeur. Et les années passent. Et oui, Yaakov devient célèbre. Il écrit des livres. Il écrit des livres qui font un malheur dans le monde de la physique. Il est connu dans le monde entier. Plus de 20 ans passent. Et Yaakov est un professeur bien établi à l'université. Il a une très grande maison avec un domaine. Et puis, depuis quelque temps, Yaakov n'est pas bien dans sa peau. Il est triste. Et sa femme qui le voit, elle le voit triste et avec un moral très bas. Et se dit, mais j'aimerais faire plaisir à mon mari. Je sais qu'il y a une chose qui lui fait plaisir par-dessus tout. Et elle décide d'inviter tous ses amis à ce qu'on appelle une chasse à cour. À l'époque, c'était très prisé, très en vue, une chasse à cour, de partir à cheval, à plusieurs, avec des chiens qui courent devant dans la forêt pour chasser les animaux, les daims, les gazelles, ou je ne sais quoi, dans la forêt. Et donc sa femme, en surprise, lui prépare cela, la chasse à cour, et donc il est très heureux, tous ses amis viennent avec les chevaux et les chiens et les fusils, et ils partent dans la forêt, et donc ils partent au galop après une bête, et le cheval de Yaakov s'emballe. Il ne veut plus s'arrêter, il se met à courir, à galoper, et Yaakov voit les arbres qui défilent, il se dit, à n'importe quel moment, je vais être fracassé par un arbre, je vais mourir. Et puis dans cette détresse de voir le cheval qui ne s'arrête pas en pleine forêt, il a un élan dans son cœur qui dit, Hachem, si tu me sauves maintenant de cette histoire, de ce grand danger, je te promets de faire tchouva. Et là le cheval, il s'arrête, il se calme et il s'arrête net. Et là Yaakov, il descend de son cheval. Il s'assoit par terre. Il se met à pleurer. Il se lève et sa décision est prise. Yaakov ne continuera pas plus jamais à vivre la vie qu'il a menée jusqu'à présent. Yaakov veut revenir à Dieu, il veut faire teshuva. Et donc le soir même, dans la nuit, il prend ses affaires, le peu qu'il puisse prendre avec lui, et il s'en va de chez lui. Il s'en va, il marche et il arrive au village d'à côté, le premier village qu'il voit. Et il arrive là-bas dans le quartier juif. Il demande à être introduit auprès du rabbin, le rabbin de ce village. Et alors il lui raconte toute son histoire. Et là, le rabbin entend l'histoire. Yaakov lui dit, maintenant je veux faire teshuva, aidez-moi. Le rabbin lui aussi est dans un dilemme dans sa tête, car il sait très bien que la loi russe dit que un juif qui se convertit au christianisme
et qui veut retourner dans la religion de ses ancêtres, redevenir juif, est passible de la peine de mort. Et donc, il ne sait pas comment aider Yaakov sans le mettre en danger. Et là, le rabbin réfléchit, lui dit, écoute, Yaakov, voilà ce que tu vas faire. Tu vas partir ce qu'on appelle en galoute. Galoute, c'est-à-dire tu vas t'exiler, c'est-à-dire que tu vas marcher sur la route et tu iras de village en village et tu vivras de l'aumône et tu laisseras pousser ta barbe. Tu reprendras sur toi les mitzvot, tu vas revenir à ton judaïsme dans cet exil-là pendant 12 mois. En espérant, se dit le rabbin à l'intérieur de lui-même, que les gens vont l'oublier, ou bien son aspect va peut-être changer, ou peut-être qu'il arrivera à traverser ce grand danger qu'est la peine de mort si on découvre qu'il est redevenu juif. Et Yaakov accepte sur lui de prendre cet exil, et il part sur les routes. Les mois passent, il vit de l'aumône, il est en haillons, il est déchiré, il est sans le sou. C'était l'hiver. Il faisait très très froid, trop froid dehors. Et là, Yaakov rentre dans la taverne pour demander un verre d'eau chaude pour se réchauffer. Et donc, il est assis à la table. Il y a plein de monde dans la taverne. Il boit son verre d'eau chaude. Ce qu'il faut savoir, c'est que au début de l'exil, quand la femme de Yaakov s'aperçoit que Yaakov ne revient pas à la maison et qu'elle appelle, qu'elle demande à l'université, « Vous avez vu mon mari ?»« Non, il n'est pas venu aujourd'hui. » Et les jours passent, il est disparu. Et là, sa femme se dit, « Il y a quelque chose qui se passe. Mon mari, je le soupçonne d'être retourné à son judaïsme. Je le sens. » Et donc, elle se rend auprès de la police et elle raconte l'histoire de Yaakov, la disparition de son mari et comme quoi il est revenu sûrement au judaïsme. Et donc, la police lui demande un portrait. Ils établissent un portrait robot, ils dessinent, selon le souvenir de sa femme, le portrait de Yaakov. Et ce portrait-là est envoyé dans toutes les postes de police de la Russie. À qui trouvera cet homme-là? Donc je reviens maintenant, un an, presque un an plus tard, Yaakov est assis à cette taverne en train de boire son verre d'eau chaude, et donc le monde autour de lui. Et puis à la table d'à côté, il y a deux policiers qui sont assis. Et l'un des deux policiers regarde Yaakov et le regarde encore et encore. Et là, le policier se lève, il s'approche de Yaakov et lui dit « Vos papiers, s'il vous plaît. » Yaakov le regarde. Ça fait bien longtemps qu'il a déchiré tous ses papiers d'identité, qu'il a jeté son passeport et ses papiers. Il n'a aucune identité. Il lui dit « Pas de papier. Pas de papier. » Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Il prend Yaakov, il sort et il emmène, le policier emmène Yaakov au commissariat. Et là, il assoit Yaakov sur une chaise et il appelle son supérieur, le chef de la police. Le chef de la police arrive devant Yaakov. Et les deux sont là. Et au-dessus d'Yaakov, sur le mur, il y a un portrait. Le portrait du professeur, de Yaakov, professeur un an auparavant. Et là, le policier est avec son chef, en train de regarder Yaakov et le portrait. Et le policier dit à son chef, « Hon, c'est lui !» Le chef de la police regarde le portrait de Yaakov rasé, les cheveux en arrière, vous savez, un professeur, et il regarde Yaakov d'aujourd'hui avec la barbe, les péotes. Il dit, « Niehon, c'est pas lui !» Et là, Yaakov assiste à la scène, et il voit les deux hommes en train de se dire, « Hon, Niehon, Hon, Niehon !» Et là, le policier qui s'approche une dernière fois, qui dit « Hon, c'est lui !» Et là, le chef de la police qui regarde une dernière fois le visage et l'homme, et dit encore plus fort « Nihon, ça n'est pas lui! Libérez cet homme !» Et Yaakov se retrouve dehors, en dehors du commissariat,
Et il revit cette scène, la scène 20 ans auparavant, lorsqu'il était devant le rabbi, et qu'il voit le rabbi qui, avec lui-même, en train de dire à lui-même « Hon, Nihon, Hon », le rabbi était en train de vivre 20 ans auparavant. La scène de Yaakov dans le commissariat est de décréter en disant « Nihon », le dernier mot sera « ça n'est pas lui », pour que le commissaire, en finale, finisse par cette phrase « Nihon » et sauve la vie de Yaakov. Et là, Yaakov se rend compte de ce que le rabbi lui a fait vivre. Et comme le rabbi l'a sauvé à l'avance et comprend toute la valeur de cette entrevue, il décide sur le champ d'aller à Lubavitch, dans la ville de Lubavitch, et il s'y installe définitivement. Il fait teshuva réellement. Ça devient un des grands chassidim du Rabbi Rachab, le fameux rabbi qui l'avait rencontré. Voilà pour l'histoire. À très bientôt. Bye bye.